Hey, salut tout le monde, c'était Sis. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel va vous permettre de publier sur plusieurs groupes Facebook avec un seul message. Par exemple, quand vous avez des pubs à faire sur des groupes Facebook et que vous mettez le même message à chaque fois, copier-coller, etc., etc., pour faire la pub sur votre chaîne par exemple. Et là, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de mettre ce message, par exemple abonnez-vous à ma chaîne, mais sur plusieurs groupes Facebook en un seul clic. Vous ne serez pas obligé de faire copier-coller à chaque fois. Voilà, juste un seul clic et votre message sera publié sur tous les groupes Facebook que vous souhaitez. Mais avant cela, je tiens quand même à faire une petite information sur ma chaîne dans laquelle vous regardez cette vidéo. Il n'y a plus de chaîne communautaire, tout simplement parce que c'est terminé la chaîne communautaire, parce que je n'ai plus envie de faire une chaîne communautaire. La chaîne, elle a été rebootée. Rebooté au fait que je continue les tutoriels comme avant. Voilà, tout simplement parce que j'ai envie de continuer les tutoriels. Et en chaîne communautaire, c'était pas trop ça. Ma chaîne était bâclée, les miniatures pas faites et les mots-clés mal faits, etc. Donc je l'avais totalement laissé à l'abandon parce que je n'ai prêté pratiquement plus aucune attention, à part que c'était pour faire connaître des youtubeurs. Et ça me tenait à cœur, mais bon, voilà. Il faut à un moment donné que je fasse aussi ce qui me plaît. Et ce qui me plaît vraiment. Bref, sinon on va commencer ce tutoriel. Donc tout simplement, on va aller déjà sur notre navigateur internet. Et on va aller sur le lien qu'il y aura en descriptif de la vidéo. C'est-à-dire que je vais juste réactualiser ça. Voilà, vous tomberez sur ce lien. Bon, là rien de sexy. Il faut juste ici, donc ici, vous allez mettre le lien de ce que vous avez envie de publier sur le groupe. Moi, ça va être ma seconde chaîne YouTube, donc Tessie Showman. Et là, vous cliquez sur envoyer. Donc parfois, vous allez cliquer sur envoyer, il n'y aura rien du tout. Vous cliquez sur envoyer. Et là, destinataire, vous mettez tous les groupes Facebook que vous souhaitez. Là, je vais mettre PU à chaque fois parce que c'est la principale, c'est les deux premières lettres qui apparaissent. En premier, tout simplement. Donc, PU, hop là, pub. Ou sinon, voilà, vous écrivez P, hop, vous trouvez, fais ta pub, voilà, pub YouTube, etc. Voilà, je vais mettre que ça parce que c'est un tutoriel, c'est qu'un exemple. Mais sinon, vous pouvez mettre tous les groupes que vous voulez. Et si vous voulez mettre des amis, ça le mettra en discussion instantanée, tout simplement. Et là, vous mettez en message ce que vous voulez. Par exemple, abonnez-vous à ma chaîne. Merci les amis. Par exemple, hein, c'est un exemple. Et là, voilà. Presque 600 abonnés. J'avais déjà fait ce tutoriel tout à l'heure. Parce que j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait plusieurs essais d'enregistrement de ce tutoriel, donc du coup je l'ai fait plusieurs fois. J'espère que je vais pas me faire bannir. Voilà, bref, donc là je mets que sur ça. Donc hop, on fait envoyer. Alors là, cette page peut rester comme ça pendant des heures, donc vous attendez 5 minutes et vous pouvez quitter, même si ça s'est encore affiché. Soit ça quitte, soit ça reste affiché, tout dépend de son humeur. Donc là, maintenant on va aller voir si ça a fonctionné. Donc on va juste aller voir sur 1. On va aller voir, ah ben vous voyez, ça a quitté. Bon, bon, ça a quitté, donc là c'est bon. Et voilà, soit ça reste, soit ça quitte. Donc là, ça a quitté. Donc là, on va aller. Donc là, c'était tout à l'heure quand j'ai fait le test. Voilà, donc voilà. Et là, on va aller donc tout simplement sur pub YouTube. Je sais plus sur lequel j'avais fait là. Hop. Voilà. Vous voyez, il est là, à l'instant. Là, c'est le message que je viens de mettre là maintenant. Hein. Donc, c'était celui-là. Ok ? Voilà, donc là, c'est un exemple. Donc, ça a marché, ça a bien fonctionné. On voit bien que là, c'est bon. Il y a bien tout ce qu'il fallait. Il y a bien ma chaîne. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Et donc si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu sous cette vidéo, ce geste me ferait énormément plaisir. Et encore une fois, je suis désolé pour la fin de la chaîne communautaire, mais c'est comme ça, voilà, j'ai essayé d'aider des youtubeurs, ça a marché tant mieux, ça n'a pas marché tant pis. Et pour les youtubeurs qui ont fait leur pub après que j'ai changé ma chaîne, bah écoutez, essayez d'aller voir d'autres chaînes communautaires
et surtout des chaînes où les abonnés sont actifs, tout simplement, ce qui n'était pas forcément mon cas. Voilà. Donc sinon, enfin, les abonnés actifs, je parle de la chaîne communautaire, bien entendu. Bon, sinon les amis, si vous avez aimé cette vidéo, donc comme je vous l'ai déjà dit, laissez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux en sachant que vous pouvez faire l'astuce que je vous ai dit. Allez, on va le faire ensemble. Vous prenez le lien de cette vidéo, donc vous mettez en réduire, vous prenez le lien, allez-y, avant que je m'énerve, non je rigole. Donc allez-y, hop, vous allez sur le site et là, vous mettez le lien de la vidéo et vous faites envoyer. Et là, vous mettez tous les groupes Facebook. Je vous fais confiance, faites-le les amis. Voilà, donc non, je rigole, mais ça serait vraiment sympa de faire ça. Voilà, donc sinon je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour un prochain tutoriel. Allez, ciao.